Salut tout le monde, c'est Hartman et on se retrouve pour la suite de mes aventures à Resident Evil HD. Donc, ce que je vais faire là, ça fait 2 jours que j'ai pas joué, mais comme j'ai mon inventaire qui est rempli, ce que je vais faire, je vais essayer de pas prendre trop d'objets inutiles. Mettre ça à sa place. Ça fait un emplacement libre. C'est bon, mon pistolet rechargé. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Bon, la pierre, je la ramasse pas parce que pour l'instant, je sais pas à quoi elle sert, donc je vais pas m'encombrer avec une pierre. Ah, là, il y a une porte. J'ai pas été. D'accord. Sinon, toutes les autres sont verrouillées. Bon, je vais essayer d'être un peu plus vivace que la dernière fois. Coucou, le curseur! C'est une tombe qui est dessinée sur la porte. Sympa pour l'en... Ah non, c'est des... C'est des papillons de nuit. Mais c'est bon, je peux passer la main dans la grille là. Non, oh, elle est trop grosse, paluche. Ah, y a quoi? Allez, je les prends, mais j'ai peur que ça me pourrisse mon inventaire. Après, j'aime pas laisser traîner des trucs. Une tombe avec... Ah bah, 22 flèches. Ça. Mais non, je me suis trompé de bouton. Tout examiné. Ah ah ah, yes. En pérido. Ça fait 500 points de sublimation, ça, un péridot. J'ai trop joué à Neverwinter. Ok. Bon, bah, échappe. Et là, j'utilise. Et. Thank you.
C'est très très gai. Est-ce que je peux examiner? C'est trois places aux yeux. Ah! C'est sur le nez de la bouche. Alors, est-ce qu'il va falloir apporter les objets ici? Il va falloir amener un bout de nez, un bout de bouche. Ouais. Et quand je vais prendre la clé, je vais prendre un cercueil sur la gueule. Non, c'est un livre. C'est une clé. Non. Dans le bouquin. Tout le temps. Et... intitulé Grim. Les 4 masques. Un masque qui sent pas mal, un masque qui fait pas mal, un masque qui peut pas le sentir, qui voit le mal. Parce que les 4 masques sont à leur place, le mal c'est là. Le mal, ouais, je dirais. En gros, ça va libérer le truc dans le cercueil. Ok, sympatoche. Bon bah, je me casse. Hein. Mes déplacements ils sont pas toujours très top parce qu'au clavier c'est pas ça. En fait c'est ça. Est-ce que ça m'indique ce que je peux ouvrir avec la clé? Du manoir. Je vais quand même regarder ici. On recommence. Non. Ok. Si j'examine... Ah. Donc c'est la clé de l'épée. Ah bah non. J'ai cru entendre un bruit. Alors la clé de l'épée... Je sais plus quelle porte moi. Clé, armure. Bouclier. Bon, je vais aller voir par là. Voilà, la clé casque. C'est là où il y avait les zombies que j'ai pas tué. Le meuble il est revenu à sa place, c'est génial. Oh.
Oh putain. Oh, ça, je m'en souviens, la version Saturne. Ça, je me souviens. Je me souviens qu'il y avait des munitions qui étaient cachées là. Pousser celui-là. Peut-être dans l'autre sens. Ça m'en fait trois. Et hop, du coup j'ai tout ramassé. Ça c'est bien le... Non. Du coup il me dit que j'ai ramassé ci, j'ai ramassé ça. Non, je cours pas en zigzag, pas du tout. Enfoiré quand même. Ah ouais, quand même, je me souvenais pas qu'elle avait autant de poitrine. Qu'est-ce qu'il y a ici? Désolé, j'aime pas les chiens. Je reviendrai plus tard. Je vois pas trop ce que je dois faire par là pour l'instant. Rien des pièces à explorer là. Zombie dans la baignoire. Disais ça pour déconner, moi. Oui, bah tue-le. Allez! Allez! Ou écrase-lui la tête! Ah! Un poignard. Il va avoir une collection. Donc là, encore une pièce d'explorer. Bah, je vais pas aller dehors tout de suite pour les chiens parce que les chiens, je ferai une sauvegarde avant d'aller buter un chien. Coffre qui est près de l'escalier. J'ai quelques souvenirs de la version Saturne.
Et là, c'est la salle avec un piège. Donc là, il y a le fusil. Et si je prends le fusil après dans la pièce, de toute façon, j'ai pas de place. Je prends le fusil maintenant. Après, je resterai coincé à la pièce. Comment je progresse doucement à tâtons? Y a personne ici? Allez, le couteau! Bien fait. Ça prendra. Oh merde. Il est mort. Je peux pas récupérer les couteaux? Non, ils sont usés. Les munitions, ça va vite descendre si je fais pas gaffe. Voilà. Donc, alors, le coffre. Hop, alors, qu'est-ce que je vais déposer dedans? Il y a tout ça en coffre déjà? Non, je vais quand même le garder. Une gourde. C'est vrai que c'est super. On voit tout de suite l'utilité d'une gourde. Pas quoi ça sert pour l'instant, donc je laisse là. Et voilà. Donc la santé, c'est toujours bon grâce au couteau. Coucou.
Se casser. Ah merde. Bon, on va essayer quand même. C'est bon. Ah non, ce que j'avais dit, c'est que je voulais aller dehors. Oh! Sympa. J'ai tué. Oh putain. La vache. Il a l'air content le toutou. Donc là on va faire du mixage. Ah oui, on va prendre une piste. Du kérosène, d'accord. Ok, il est content le toutou. Oh oui, il est content. Je re-rentre. Donc là, c'est bon. Alors. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, mon inventaire est de nouveau rempli. Ces jeux ont fait beaucoup d'allers-retours.
ça, je vais ramasser la plante verte et je vais la mixer avec la plante rouge. L'étage. Bon bah tant qu'elle se casse pas, tant mieux. Je vais aller dans l'autre pièce où il y a le fusil à pompe. En espérant que ça fasse comme la version Saturn. Sont des trucs intéressants, ils brillent. Un bureau sans fenêtre quand même. Oui, beau le fusil. Et voilà. Là s'active le piège. Alors, normalement, je crois que quand c'est Jill qui récupère le fusil, Chris vient la sauver. Ok. Hey. Oh God, what did I do now? Wesker, Barry, help! Jill, you in there? Barry, get me out of here. The door's jammed. Stand back. Eat. Grab my hand. Saturne. Et Barry. Oui, that was vrai. A close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Ouais. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Stop. I owe you one, ça veut pas dire je te dois une fière chandelle. C'est-à-dire je t'en dois une. Il se casse. Alors. Donc là, c'est... l'emblème de la famille Spencer.
quel état là? Est-ce que je peux me faire toucher encore une fois ou pas? Bon. Bon allez, je l'utilise. Je sais pas, peut-être que j'aurais pu prendre une fois de plus, mais... Je voulais pas prendre de risque. Il y a quelque chose... Le profanateur de cercueil maudit. Ah bah le cercueil maudit, c'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, je suis à peu près sûr. Ça fait combien de temps que je joue? Oh, ça doit faire une demi-heure là. Allez, je laisse le fusil pour l'instant. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt tout le monde. Bonne nuit.